Salut tout le monde, c'est Steven. On se retrouve avec Anno 2070. Généralement, j'alterne un peu les vidéos, mais j'ai fortement envie de jouer à ce jeu en ce moment, donc c'est ce que je vais faire. Alors, donc premièrement, on m'a demandé en commentaire de mettre des vidéos, enfin des options vidéo un peu plus élevées que ce que j'utilise. Je pourrais, ce serait pas trop gênant. Le problème, qui n'en est pas vraiment, c'est que j'aime pas du tout l'effet Vous êtes bloom prêt que pour ça cette quête? rajoute. Du coup, je préfère ne pas utiliser. Je préfère largement les graphismes à ce niveau-là, qui est le niveau moyen, qui est en élevé, quoi. Parce qu'il y a cet effet de bloom tout dégueulasse, tout moche. Bleh. Bleh. Alors, donc la dernière fois, j'avais mis des pêcheries. Et je voudrais essayer. Qu'est-ce que j'ai débloqué ici? Rien du tout? Non. Est-ce que je peux faire ça? Non. Normalement. Je dis bien normalement, j'ai accès à un truc. Est-ce que je peux faire ça? Ah, je peux! Ok, on va dire que. On va dire fuck les pêcheries, on va les reconstruire plus tard. Hop! Donc, apparemment, ça permet de faire en gros une côte artificielle pour placer d'autres bâtiments. Donc, je mets ça là. Ça se trouve, ça marche pas du tout et j'ai fait tout ça pour rien, mais. Voyons voir. C'est où les pêcheries déjà? C'est ici? Ouais. Ah voilà. Comme ça, je peux mettre mes pêcheries là et j'ai plus à utiliser la côte. Ça, c'est bien. Et je suppose qu'il faut connecter à la route. C'est pas connecté à la route là. Peut-être que c'est la route qui doit. Décidément, on ne peut compter que sur soi-même. Mais oui, on peut compter que sur J'espère que la soi-même, prochaine absolument. livraison n'aura pas de retard. Ou alors il faut que ça se connecte à l'entrepôt, peut-être. C'est bien possible aussi. Ah ouais, voilà. Ok. Les marais ne sont plus ce qu'elles étaient. Du coup, ça, je peux supprimer. Voilà. Donc, merci Number pour l'astuce. Moi j'ai toute cette zone là donc. J'ai de la place. Ok, donc j'avais débloqué les ingénieurs la dernière fois. J'en ai déjà 650, on va en upgrade encore un peu plus. Comme ceci. Et est-ce que je finis de remplir de maisons? Ouais, pourquoi pas. Hop. Mais cette construction insuffisante, sérieusement. C'est toujours les blocs de construction qui me manquent. Il va falloir que j'essaie d'y faire quelque chose parce que c'est un peu gênant. Hop. Quand je dis bloc, c'est le truc en basalte là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ils sont arrêtés en plus, c'est con. Attends. Oh, mais je suis bête, j'ai fait des trucs d'extraction de basalte, mais j'ai pas fait les fonderies qui vont avec. C'est pour ça que j'en créais pas plus. Oh, qu'est-ce que je suis derp. Boop, boop. Faire 3 de plus. Ok, là normalement j'aurais en gagné un peu plus vite. Ouais, ça monte beaucoup plus. Du coup, je devrais pouvoir bientôt finir ça, mais bon, je ferai plus tard. Grosso modo, ouais, j'ai encore un peu d'espace là, un peu d'espace ici. Sachant que ça couvre quoi? Ça va pas couvrir cette partie-là. Donc, soit j'en mets une autre là, soit je dis fuck it et ceux qui sont là seront pas éduqués.
Ce qui est bien possible que je fasse, parce que je suis... Voilà. Je suis un peu un connard. Alors, je voulais regarder un petit truc. C'est quoi ça? Oh! Je découvre le jeu, hein. Ah, on peut accéder au navire d'ici. Bah, c'est bien ça. Y a pas un raccourci pour y aller? F12, ok. Mission, on s'en fout de ça. Ok, tu peux genre partir. Population. Ok, économie. C'est pas ce que je cherchais. Moi, ce que je cherchais avait des jolis graphes. Waouh, on peut tout. Modifier tous les paramètres de jeu. Moi, je vais pas le faire, hein, ça sert à rien. Paix désactivée. Genre. Ah oui, d'accord. Donc c'est la paix au début, c'est ça? Non, je sais pas. C'est pas ça que je cherche. Peut-être dans diplomatie? Non, c'est pas dans diplomatie. Place. Look at me fail. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Donc on en est où? Il nous faut... Ça c'est bon. Le thé, on commence à ne plus avoir beaucoup. Il Mode y a de toujours des vie. choses à améliorer, mais dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre. Ouais. Donc on va créer d'autres trucs pour faire des transmetteurs, d'autres usines. Voyons voir. On dirait que je produis assez de puces. Donc c'est le nombre d'usines que je dois augmenter. On va faire ça. On va en faire deux de plus. Alimentation en énergie inadéquate. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et celui-là, il est pas dans le bon sens. Boop. Alimentation en énergie Mais je inadéquate. sais que c'est pas adéquate. C'est toi qui es pas adéquate en plus. Un impact environnemental négatif réduit la fertilité. Du coup, il me faut un petit peu plus d'écho pour. D'ingénieurs, je veux dire, du coup je vais aller les upgrade des ingénieurs. Ah bah je peux pas. Je peux pas les upgrade. Qu'est-ce qui leur manque? Je savais qu'on pouvait vivre différemment, et cet endroit en est le meilleur exemple. Je sais pas ce qui leur manque, mais ils veulent pas être. Bon, c'est pas grave, on fera plus tard. On va mettre des simples éoliennes pour le moment. Je voulais mettre les éoliennes sur l'eau. Ce machin-là. Parc éolien offshore. Mais apparemment je peux pas pour l'instant donc. On va faire Bilan 100. écologique, les valeurs grimpent. Les valeurs grimpent. Mais j'ai rien touché pourtant. Pom, 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 pom. Ok. Et donc j'avais dit que le thé aussi c'était pas terrible. Haha, c'était pas terrible. Haha. Bref. Ici peut-être. Ça fait une usine en plus. Enfin une plantation plutôt. Espérons qu'un jour le monde entier vivra comme nous. Donc ça a augmenté. Boisson, ça devrait. Ah, ça continue de descendre. Moi j'ai du mal à parler aujourd'hui. Bah c'est pas bien grave. Donc, sur les îles qu'on a, on a quoi? Légumes, vin, et ici on a légumes, fruits et maïs. Oh. Espérons qu'un jour le monde entier vivra comme nous. Légumes, blé dur et maïs. Il faudrait que je colonise une autre île. Ah, oh, ça me fait chier ça. On va coloniser une autre île juste pour faire du maïs. En plus, il faudrait que je transporte les trucs sur cette île. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me vendre une Avez-vous fertilité? besoin de l'aide d'Eden Initiative? Canne de thé, non. Et vous? Ah, c'est vous.
Comment vont vos recherches? Nope. Étoile. Eh bien, regardez ça. Oh, c'est bien ça. C'est combien? 395 licences? Pour augmenter de 15% la productivité de mes éoliennes. Ouh. On va faire ça, tiens. Où est mon bateau? C'est F12 la touche, c'est ça? Ah, c'est aussi celle pour faire des captures d'écran. Oups. Avertissement. Production interrompue. Je sais, c'est normal. Hop, bateau, viens par ici. Non. Bon, c'est pas grave. Il est où? Il est là? Ouais. Viens voir le mec sur son bateau. Il fait tout le tour par là. Ça va n'importe quoi. Non. Je veux t'acheter des trucs. Je vais acheter ça. Non, attends. Fuck. Suis-le, mais suis-le, trou du cul. Il a disparu. Je me sens. Je me sens enculé. Bon, bah tant pis. Donc, qu'est-ce qu'il y a, lui, il a à vendre? Rien d'intéressant. Bon bah je vais devoir coloniser cette petite... Mais elle est minuscule cette île, c'est de la merde. Oh là là. Et je vous dis, ça va pas être facile. Sur cette map, y a pas grand chose. Hein. Je peux déjà mettre des cultures de légumes ici en tout cas. Même si le bilan écologique il est pas terrible, je suis déjà à moins 4. Bon du coup, vaut mieux que je mette ici, il y a un meilleur bilan écologique. Ici c'est quoi que je produis? Ah bah des légumes déjà, du coup on va augmenter la production de légumes. Parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup plus. Hop. Ok, on va mettre une deuxième tant qu'on y est. Un petit champ. Hop. Voilà, on a doublé la production de légumes. Ok, maintenant il me faut... du blé dur, c'est ça? Ça me fait chier quand même, va falloir que j'aille jusque l'autre île. Ouais. Donc le blé dur. Et j'ai besoin de verre pour ça, ok, donc j'ai sauté une étape. Donc il me faut... du calcaire et du sable. Le sable, j'en produis déjà sur cette île-ci, je crois. Ouais. Du coup, il me reste combien d'emplacements? Il me reste 1, 2, que 2 emplacements. Je suis vachement limité niveau ressources sur cette map, dis donc. Pourtant, c'est un mode facile, mais j'ai pas, j'ai juste dû ne pas avoir de chance avec le générateur. Hop. Pénurie énergétique détectée. Oui. Pénurie énergétique, oui. Ah ouais, j'avais même pas d'éolienne ici en fait. Boop, maintenant il y a une éolienne. Ok, donc ensuite on veut des mines de calcaire. Donc ça c'est pour faire du verre. Hein. Faut un autre dépôt. Il me semble que le calcaire, il n'y en a pas beaucoup.
Bah, fuck it. Je mets une seule mine pour l'instant. J'ai même pas vu s'il y en avait sur cette île, en plus je suis con. Bon, il y en a probablement. Ouais, il y en a. Ok. Du coup, une route. Et du coup, le bateau... Enfin, la route commerciale va aussi prendre le calcaire. Donc, décharger calcaire et ici, charger du claquaire. Du claquaire une fois. Ok, parfait. Maintenant, il faut des usines. De ce côté-là, plutôt, je pense. Ouais. Où est-ce que j'ai un dépôt? C'est un dépôt, ça? Ouais, c'est un dépôt, ok. On va faire une route. On va faire deux routes. Poup. On va faire deux usines à verre, parce que c'est une ressource de construction, en fait. Donc on va en avoir besoin de pas mal. Mon bien écologique est merdique, du coup, qu'est-ce qu'il veut, lui? Que je récupère des objets dans les fonds marins. Ouais, je vais être gentil. Surtout que j'ai besoin de licence, en fait. Donc c'est où? C'est par là? Ok. Youhou! Il y a un risque. C'est la raison pour laquelle je crains vouloir vous embêter, le temps presse. Donc il faut activer les projecteurs et on va plonger sous l'eau, mais je sais pas où c'est en fait. C'est ici, ok. Je crois que c'est la première fois que j'irai sous l'eau, non, dans ce let's play. Plouf. On va mettre la map un peu droite et tout. Où sont ces objets de merde? Ah, il y en a un là. Oups. Il en faut 4. Ah, il y en a là. Ok, voilà les deux derniers. Qu'on peut refaire surface. Et retournez voir le vieux monsieur. Oh. Et voilà, il m'a donné plein de crédits. Avez-vous des questions sur les technologies de SAAT? Mais rien d'intéressant pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'il a lui? Pas de calcaire. Si, ouais, attends, il y a calcaire maintenant. Faut juste le temps que ce soit livré en fait. Du coup, elle va peut-être falloir une deuxième mine de calcaire, parce que d'après ce dont je me souviens, on a besoin de beaucoup de calcaire. Et on en mine pas si rapidement que ça. Ok, il nous faut plus de dépôts. J'ai l'impression de passer mon temps à faire des dépôts dans ce jeu. Hop, poup, poup, poup. Une petite route pour connecter au dépôt. Comme ceci, et ça devrait accélérer un petit peu les choses. J'ai combien? 5 verres, ok. Production interrompue. Oui, c'est pas grave. Ah oui, alors je voulais modifier le bilan écologique. Remplacer 2, je pense. Amélioration du bilan écologique détecté. Ok, c'est déjà bien comme ça. Du coup, je voulais genre 950. Je sais plus pourquoi je voulais 950. Disponible pour la construction. C'était pour... Ah oui, pour les éoliennes offshore. Ouais, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais je les ai débloqués en tout cas, en atteignant 950 ingénieurs. Je pense que je vais me faire un nouveau bateau qui va...
Donc je vais me servir pour... Attends, c'est juste celui-là. Ok, celui-là c'est quoi? Une seule soute de fret, c'est pas assez. On va faire un cargo machin là. Et donc en fait, je vais me servir de ça pour distribuer des outils, des blocs, du verre, tous les trucs de construction en fait, autour des différentes îles. Je me demande juste où je produis mon bois. C'est sur cette île ou... C'est pas par ici? Ah ok, c'est ici aussi que je produis mon bois. D'accord. Tu t'appelles inspecteur. Ok. Donc nouvelle route commerciale, on va l'appeler outil. Donc destiné. On était tous les destinés. Équilibre et duplex. Donc destiné, on va charger des blocs de construction. On va charger des outils de construction. Quoi d'autre? Du bois, oui. Hop. Et on a une quatrième soute qu'on peut utiliser. On va y mettre du verre. Ok. On va baisser 40 peut-être, c'est pas mal. Pour la quantité. Autour de 40 quoi. Peu importe après combien c'est. Ok. Et on va décharger ces ressources dans les autres destinations. Le bouet, les blocs et les outils. Pareil, on va décharger autour de 40. Il n'y a pas besoin de tonnes hein, de toute façon. Hop, bloc, outil, bois, et verre. Pourquoi t'apparais là-haut, toi? Le truc, ils apparaissent n'importe où. Ok, on va mettre le navire inspecteur, c'est ça? Ouais, c'est inspecteur. Donc il va naviguer entre ces trois îles et disperser des outils, des trucs comme ça. Très intéressant. Ok, fermé. Et du coup, ouais, mon compte de verre, de trucs va vachement dropper. Mais ça va être réparti... sur les autres îles, donc c'est pas bien grave. Normalement ici je devrais avoir... Bon, j'ai pas de verre, j'aurais dû en avoir. Pourquoi j'en ai pas? Peut-être qu'il allait là en premier lieu. Ah ouais, il est allé là en premier lieu. Donc la question c'est, est-ce que il va être intelligent et il va pas aller deux fois au même endroit? Non, il est pas intelligent. On va laisser tourner et voir quand ça atteint genre 40, s'il va continuer de venir là ou s'il va aller à l'autre île. Donc au prochain voyage, il devrait s'arrêter. Production interrompue. Oui, c'est pas grave. Oui. Ah mais si, je peux limiter ici aussi, non? Je peux limiter à genre 20. Voilà, j'en veux pas plus de 20 ici. J'en ai pas besoin de plus de 20. Et je vais faire la même chose sur l'autre île. Je vais limiter le verre parce que c'est un peu ma ressource avec laquelle je suis un peu limité actuellement. Bon, déjà, il faudrait qu'il m'en amène une première fois. Quand tu veux. Bon, là, il m'en a pas amené. Cool. Il est où? Il est là. Hop, il va en bas. Je sais pas si vous voyez les petits points sur la carte. Je pense pas, mais... Donc, normalement, il devrait cette fois m'amener du verre.
Il m'a pas amené de verre. L'enculé. Pourquoi il essaie toujours de remplir ça alors que... C'est pas logique. Pas logique du tout. Baisse générale de la santé de la population. Ah, c'est le stock minimal. Ok, donc ça sert à rien en fait. Oups. Pouvez-vous vous occuper de ça pour l'organisation ? Non. Toi, t'es méchante. Hop. Donc ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Oups, épidémie. On a une épidémie. Mettre un centre hospitalier peut-être ici. Voyons voir. Je sais pas si je le mets sur le bord de la ville ou dans la ville. Peut-être détruire ces deux maisons pour le mettre là. Ouais, je vais faire ça. Vous êtes Ah non, je peux pas. Ouh la vache, oui, ça se propage vite. Faut que je me magne l'anus. Qu'est-ce que je vais exproprier ? Vous. Vous êtes tous expropriés. Pour le bien d'Ebola, ou l'inverse. Normalement, ça devrait traiter les maladies. Ok, voilà, donc ceux-là, ils sont plus malades. Qu'est-ce qu'elle veut, des transmetteurs et du sable ? Va te faire voir, Yana. Vous êtes très efficace. Du coup, est-ce que là, on a du verre maintenant ? Oui, enfin ! On va pouvoir faire les usines à bidule. Hop. Pour faire des potes, il faut du blé. Oui, il faut du blé. Fertilité, des valeurs en hausse. Mais pas dire en hausse. Moi, je sais pas si une façon idéale de les placer. Je les foutre comme ça pour l'instant, les champs. Et... Bon, la même chose de l'autre côté, allez, pourquoi pas. Énergétique détectée. Ouais, de fertilité manquante, tu te fous de ma gueule. Merde! Je peux pas foutre ça sur cette île. Oh non, mais... Oh. Je pensais que c'est cette île-là, donc il faut que je colonise cette île, forcément. Ah non, mais ils exagèrent du boudin, là. Oui, j'ai vraiment dit ça. Il est où mon navire ? Pas celui-là, l'autre. Il est là, ok. Tu vas venir ici. Bonne nouvelle. Le risque épidémique est sous contrôle. Tant mieux. Hop. Forcément, t'as pas grand-chose à l'entrepôt. Donne-moi tout. Ouais, mais c'est pas le topaz que je veux, c'est lui. Il est con, lui. Approche. Trop du cul. Forcément, maintenant, il a plus de machin. Cool. Et j'ai donné au topaz. Fuck. Il est où le topaz? C'est toi, topaz? Jette ça à la mer. Voilà, très bien. Et l'autre, il est où? Je suis sûr que j'ai donné... Oh là là. Cet épisode est une catastrophe, j'ai donné tout ce qu'il fallait pas à tous ceux qu'il fallait pas. Il est où le deuxième bateau qui fait des allers-retours ? Celui-là ? Toi aussi, jette ça à la mer, t'as rien à faire avec ça. Du coup, toi tu vas venir, tu vas ramasser ce que les autres ont jeté à la mer comme des gros glandus. Oui ! Il a ramassé ça, et l'autre il a jeté ça où ? Ici. Hop, voilà. Maintenant tu reviens là. Comme un gros glandu. Et tu vas récupérer des matériaux de construction. T'aurais pas un peu plus de verre pour moi? Si. Ok.
On va venir coloniser cette toute petite île. Elle est assez catastrophique cette map. Hein. J'ai déjà 3 îles qui sont prises par les vers là. Production interrompue. Ça va pas être facile. Pom-pom. Ok. Donc on va pouvoir faire l'exploitation céréalière. Sauvegarde. Partie sauvegardée. Comment je les ai placés? Je crois que je les ai mis dans le long comme ça. Ah, peut-être pas. Si. J'avais fait ça. Hop, on met une route au milieu. Et on va mettre un deuxième truc comme ça. Des champs. Poup, poup. C'est pas là que je voulais le placer, c'est pas grave. Et du coup, le navire qui... Celui-là, c'est lequel? Tiberius. Et celui qui s'occupe des légumes, je pense qu'il va aussi s'occuper des... Du blé, du coup. Et regardez le bilan écologique, s'il est merdique. Est-ce que il y aurait... Ouais. Il me faut plus d'ingénieurs, il me faut 200 ingénieurs de plus. Ça augmente de 40. Bon, je vais me contenter d'une station de modification du climat. Là. Pour que je sois au moins dans le vert, quoi, niveau écologie. Bilan écologique. Les valeurs grimpent. Ok, légumes... Tu vas passer en plus par étendue verte. Super nom. Et tu vas charger du blé. Il faudra que tu ailles décharger à équilibre. Parce que je crois qu'il n'y a que là que j'ai des... des rivières, parce que pour traiter le blé, il faut des rivières. Donc on va aller là-bas. Ouais, c'est ça. Il me reste un emplacement ici, et... C'est tout? Qu'un seul emplacement? Un, deux, trois... Il me semblait que j'avais 4 emplacements sur cette île. Oh, c'est pas grave. Hop, il nous faut donc une minoterie. Et il me faut un entrepôt. Je sens que ça va pas être assez. Hop, toi aussi tu te connectes à ça. Donc normalement, il devrait commencer à traiter les pâtes. Et du coup, les pâtes... On retourne dans la route commerciale. Comment s'appelle cette île? Équilibre. Donc à équilibre, tu vas charger des pâtes et tu vas les livrer à destinée. Comme ceci. Et enfin, on va à destinée et on va faire au moins une usine... à spaghetti là. Pourquoi j'ai pas de machin vert? Ah, il me faut 10 verres. Ok. J'attends un petit peu. Et d'ailleurs, au port, je veux dire qu'il faut conserver au moins 40 verres. Parce que sinon, le verre il va partir dans, sur les autres îles et j'en ai pas forcément besoin sur les autres îles. Ok, je devrais avoir assez. Avertissement. Production interrompue. Hop. Et normalement, au bout d'un certain temps, j'aurais commencé à avoir des spaghettis. Et celui-là n'a pas encore de blé. Pourquoi il n'a pas encore de blé? Parce que mon bateau... Il n'a pas encore déchargé le blé qui est ici.
Mais bon, au fur et à mesure, ça se fera. Sachant que mon bateau, maintenant, il fait des tours comme ça, quoi. Je sais pas si on peut voir le chemin exact. Ouais, il fait ça comme tour. Donc c'est un petit peu long. Donc là, il devrait se remplir de blé, voilà. Il va aller livrer le blé ici, sur cette île. Ça aurait été intelligent d'avoir un port l'autre côté. Bon, ça change pas grand-chose. Le blé est livré. Le blé devrait être utilisé ici maintenant. Voilà, c'est plein. Arrêt complet de la production. Ça crée des pâtes. Et donc la prochaine fois que le bateau passera, il prendra les pâtes. Et il viendra les mettre ici. Régler ce problème. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Non. Je suis quelqu'un de très patient. Moi je suis pas patient. Pas avec tes conneries, monsieur Thorn. Lol. Ok, ben je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Donc on a. Transport de marchandises sur la route commerciale. Mais c'est normal, c'est lent, t'inquiète. Donc on aura fait pas mal de choses. On va augmenter jusqu'à 1200. Donc on a commencé la production de spaghettis pour les ingénieurs. C'est pas encore parfait, hein, comme vous avez pu le voir. C'est assez lent. Mais franchement, sur cette map, ça va être assez compliqué de... Il va falloir vachement optimiser la place parce que ça va être compliqué... Opportunité de construction étendue. Ah voilà, j'ai débloqué ce que je voulais, qui est ce machin-là. Mais j'ai pas de quoi le construire pour l'instant sur l'île où je vais construire. Grosso modo, on a cette île qui a 4 mines que je pourrais utiliser comme île de minage. Ici, on a quoi? On a 3 mines. C'est pas beaucoup non plus. J'ai même pas la place de mettre une ville. Là non plus, j'ai pas la place pour une ville. Ici, j'ai 3 mines également, mais pas de place pour une ville. Donc en fait, c'est la grosse merde. Parce que je sais pas où je vais mettre ma ville tech. Ces gens-là, là. Je sais pas où je vais mettre ma ville, enfin je pense à la ville tech, je peux la mettre là pour l'instant, mais je voudrais mon monument écho ici, à terme. Toi tu peux te mettre en pause. Donc c'est un peu compliqué, parce que vous voyez que elle sur son île, alors c'est tout vert, c'est tout beau, mais elle optimise pas bien la place. Et pendant ce temps-là, moi bah, je suis en mode de... j'ai besoin de trucs. Au Moyen-Âge, la coopérative ne fait que rejeter ce qui est superflu. Ok, cool. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ouh, c'était long, 37 minutes, je suis désolé. Non, je suis pas désolé, c'est cool. Dépêchez-vous, il y a beaucoup à faire. Oh mais arrête avec tes missions à la con, toi. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de réfléchir à comment on va pouvoir survenir à ces problèmes, mais ça va pas être simple. Oh, on a 2 gisements de sable ici. Ah bah c'est cool. Oh mais je pourrais traiter mes pattes sur l'île directement, au lieu de les emmener sur l'autre île. Ouais, je vais faire ça. On verra ça au prochain épisode. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces verts, même s'ils sont bleus, on s'en fout, à vous abonner, tout le bordel, et à plus, bisous bisous.